Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce channel Bolan, TAC 509, tout haïtien connecté, ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous ensemble, et surtout là, nous prenons pour nous faire un long débat, nous prenons parler, et avec un expert aujourd'hui, m'inviter dans l'émission, avec un consultant qui prenons expliquer nous plus bien ce qui a passé en Russie avec l'Ukraine, dans le moment où on a parlé. Mais aujourd'hui, commencement émission, premier segment émission, libre pour loué avec un juge Jean-Roger Noël-Sius qui t'a mis en mandat d'arrêt de président Jovenel Moïse. On pourra le comprendre pour qui ça m'a retourné avec juge sous tapis. En pile fois, on a posé peut-être une question pour qui ça la justice haïtienne, pas j'en fais des marches pour arrêter Noël-Sius, pour y'en venir en Haïti, pour le juger, pour le répondre de sale fait, de zakli. Parce que un président en fonction ou pas gain droit mettre un mandat d'elle et ce mandat ça nèg yo pral utiliser et criminel yo pral utiliser pour arrêter le. Et bien jodi là on pral connait véritablement pour qui ça nous est juste décidé à cacher col Canada et pour qui ça Canada jodi là malgré ah oui il y a des démarches qui fait et pas bon côté famille présidentielle là pour ta voir comment yo te ka joindre et condamnation comment yo te ka traîner juge Jean-Roger Noël-Sius devant un tribunal pour yo juger pour yo condamner mais ça paraît impossible. Restez là on va connait tout détail yo dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Mes amis bagayo, situation compliquée. Situation compliquée par Bolakaino parce que premièrement, nous gagnons Jovenel Moïse, petit Jovenel Moïse, qui récemment là mettait et doit un tribunal premier instance, Bernard Saint-Ville, il mettait en demeure, il sommet pour qu'il s'en pour ouais, il ballon délai de 3 jours, pour lui mettre en l'autre juge sous dossier Jovenel Moïse. Il y a encore quand? Ben, quelqu'un pas grand rien qui fait. Parce que, premièrement, doit un tribunal premier instance, M. Bernard Saint-Ville, je dis, hein, si n'a posé peut-être nos questions par rapport avec et complicité dans lenteur dossier, hein, complicité non, et soi-disant, bon, nous avons considéré comme ça, inexistence dossier, parce que l'homme garde le dossier Jovenel Moïse, est-ce que c'est un dossier qui existait au niveau de la justice haïtienne? Non. C'est un dossier que nous avons pris, nous mettez dans le tiroir, pas rien qu'à prévenir dans le dossier. Donc, que l'on veut ou non, famille présidentielle, là, précisément Jovenel Moïse, avec cabinet d'avocat, lui, yo mettez yo prend ensemble de mesures yo mettez tout ça yo connaît et toute connaissance juridique que avocat yo connaît yo mettez yo et sous table là y a regardé qui stratégie qui ka fait qui manœuvre qui ka fait en façon chaque monde qui impliqué dans assassinat Jovenel Moïse pour ka traîner yo devant la justice. Mais qu'en est-il de Roger Noël-Sius qui lui-même qui était juge à l'époque et en 2019 qui mettait en mandat de Jovenel Moïse? Eh bien, actuellement là, juge Jean-Roger Noël-Sius, me fait recherche, m'a cherché information pour nous, l'y trouver au Canada. Ça, nous connaissons déjà. Mais est-ce qu'on te connaît que Jean-Roger Noël-Sius, il y a statut de personne protégée? C'est sûr que, ou pas te connaît ça. Eh bien, je dis là, on peut connaître toute information qui vient pour avec statut de personne protégée au Canada que Jean-Roger Noël-Sius gagne. Ou pral gagne information sous travail Jean-Roger Noël-Sius ça fait au Canada. Ou pral gagne information et sous différents mondes qui rencontrent avec juge ça qui te mette mandat Jovenel Moïse. Parce que je dis, si pas bon la kaye nous ouais, même magistrat, qui t'a censé gain responsabilité pour chercher un juge, pour chercher un magistrat, un juge d'instruction qui compétent, qui qualifié pour le bail dossier, pour permettre à ce que l'instruction dossier en continue. Ouais, c'est même juge, et c'est même doyen ça, c'est même et juge titulaire, juge principal dans le tribunal première instance. C'est lui-même qui a fait marchandage avec le dossier. C'est lui-même qui vraiment met en lenteur. C'est lui-même, je dis là, ouais, qui pas motivé
qui n'a pas aucune bonne volonté, qui n'a pas aucune velléité pour le dossier Jovenel Moïse pour le continuer. Faut que nous cherchions des informations. Malgré tant de des séries de nègres là, des séries de nègres qui dans les médias traditionnels, pas pour une merde. C'est chita qui a montré un acte 2, acte 3 qui n'a pas fait rien sérieux, mais là pour protéger les gens, là pour faire les gens parler dans le micro, pour venir laver les noms, pour venir laver l'image, nous avons le micro toujours ouvert. Mais là pour chercher des informations, pour venir informer le public, là pas faire des comme ça. Parce que je dis, dossier Jovenel Moïse, enjeu tellement en pile, enjeu tellement concerné des séries de monde, que ce soit sur scène politique, là, que, c'est les monde qui gagnent pour avec, et le secteur privé des affaires, qui baille l'argent, qui participe. Tout le monde ça a concerné. Et je dis, alors, prenez exemple, qui dans les médias traditionnels, pour la plupart, y a des intérêts dans la politique, là, y a des intérêts, soit c'est des alliés, soit c'est des actionnaires, des collaborateurs avec les dans le secteur privé. Donc, c'est, y'a tout intérêt pour y'a caché, casser, faire couvrir ça, pour vérité à pas prendre la rue. Donc, c'est à travers les médias, les réseaux sociaux, je dis, là, qu'on ensemble d'informations. Ou ka jwenn yo, parce que, ou imagine aussi, m'te non médias traditionnels, là, ou pense, nèg yo pa t'ap censurer m. Si m'ta sot kote m soti pou m di, mais qui information m'jwenn sou juge sa te mande a des Jovenel Moïse. Nou pa t'ap pense jodi an fin parler demain ou révoke m. Effectivement, t'as fait parce que directeur de médias ça yo toujours censuré, a fermé bouchon. Eh bien, je dis là, c'est ça que fait. Il y a toujours à attaquer et de jeunes journalistes, des séries de journalistes qui travaillent, qui cherchent information, qui baillent information, parce que faut nous connaître la vérité. Bon, Jean-Roger Moïsius, moi dis non, il y a statut de personne protégée au Canada. Et il est extrêmement important pour qu'on ait qui avantage statut ça bail au Canada. Le a parlé de personne protégée qui s'allie. Comment moun qui avantage statut ça représenté pour un moun tant pour Jean-Roger Moïsius dans moment n'a parlé là. Un moun qui a statut personne protégée au Canada, c'est un moun premièrement qui quitte pays. Tant pour Jean-Roger Moïsius qui quitte Haïti là, li au Canada. Li quitte pays parce que li peut retourner dans pays, soit parce que li fait comprendre ni gagne des menaces qui pesaient sur la ville, soit parce que le peuple n'a pas tué, le peuple n'a pas torturé, il a quitté le pays d'origine, il a quitté le pays de résidence, li, et puis il a demandé asile dans l'autre pays. Là, il a demandé asile au Canada. Mais il n'a pas demandé asile avec statut de réfugié, il a demandé asile avec statut de personne protégée. Et statut de personne protégée lui permet de bénéficier d'un paquet, un paquet et avantages que le gouvernement canadien lui-même lui offre en termes de protection juridique. Parce que qui s'arrive là dans ce moment-là? Au jeune de série de nègres, l'opra au jeune Moïsius, qui font un mandat, mettez des présidents en fonction. En sérieux, li konn sa la fè, c'est pas un monde qui t'est sous, c'est pas un monde qui t'est bwè clérilité, c'est un monde qui conscient de sa la fè, li rédige mandal, li fin rédige mandal, li signe, li mette mandal nan la ri, et mandat ça, c'est avèl nèg yo yo utilisé pour yo touye Jovenel Moïse. Et pour même moi je ne suis ça, li a le Canada, li a demandé asile parce que ville, li fait comprendre que ville menacée, li fait comprendre que li exposé avec des traitements inhumé, il est exposé avec des actes de criminalité, il peut plus pas tuer, il peut plus pas attaquer, il peut pas attaquer famille, etc. Une fois qu'elle demande asile et avec statut de personne protégée, ça, la justice canadienne, gouvernement canadien, y a gagné responsabilité pour le protéger. Il y a une responsabilité pour le protéger parce que son monde qui fuit Haïti, son monde qui fuit pays, il a caché Canada. Maintenant. Et c'est ça que fait moi-même dès le départ. L'heure où tu mettais Gary Aurélien sous dossier Jovenel Moïse, je me pose peut-être une question pour qui ça? Gary Aurélien, comme premier acte d'instruction, il n'a pas fait chercher Jean-Roger Moïsius Mene Bali pour lui répondre à une question. C'est parce que Jean-Roger Moïsius, en tant que juge, ancien juge haïtien, en tant que personne protégée au Canada, il a un statut de personne protégée, donc gouvernement canadien, li bénéficier de protection du gouvernement canadien. Donc, ou pas kandi, ou pralre les Jean-Roger Moïsius pour vin et pour Jean-Roger Moïsius une réponse de questions, de mandat, etc. Parce que Jean-Roger Moïsius, il fait comprendre que
Li fait comprendre que li fuit Haïti dans un contexte politique. Li fait comprendre que li fuit Haïti parce que te gen des persécutions politiques contre lui-même. Et c'est là pour comprendre que nèg yo pas égaré. C'est pas seulement Jean-Eugène aussi jodi an là qui a le caché Canada qui fait comprendre que li quitte Haïti pour persécution politique. Gon paquet l'autre nèg monsieur dame là, yo a cherché qui côté oui. Qui côté oui. Yo Canada, yo caché Canada, yo caché koyo là avec statut de personne protégée et puis le gouvernement haïtien ou bien un juge a décidé et pour le temps de yo pour l'inviter moun sa yo pral évoquer le statut des personnes protégées et yo pas ka venir répondre question puisque yo pral dit c'est persécution politique yo pas gen rien pour wè avec ça reprocher yo et puis moun sa yo à l'abri de toute poursuite yo à l'abri et de toute sanction. C'est exactement ça Jean-Eugène Wesius fait qu'on yo pral dit Jean-Eugène Wesius est-ce que le pas calculé en jeu yo. Ou pral di m jodi an la, jujan li pa kontrole, li pa pese le pour et le contre. Nèg yo te gen planifié tout bagay. D'ailleurs, mande asile Canada, est-ce que c'est du jour au lendemain? Est-ce que c'est matin pour après-midi? Non, c'est tout un processus lié. C'est parce que tout bagay te gen préparé depuis 2019. Tout bagay te gen fin préparé, Jean-Eugène Wesius fin met mandat derrière Jovenel Moïse. Li konnen ki sa sa pral impliqué. Li konnen ki sa sa. Peut-être que li pat prémédité si mandat sa yo te kapral utiliser pour touye Jovenel Moïse parce que bien entendu là n'ap kembe mandat nan contexte politique parce que l'on prend opposition politique là à l'époque qui était très influent même opposition politique là avec des séries de organisations de défense des droits humains en Haïti qui t'est metté ensemble qui t'a utilisé des moyens de pression sur le CIUS pour aboutir avec émission mandat. Kounya, le mandat fin prend la rue. Jean-Eugène Wesius, quand même, la konye a bien représenté, quand même, faut Jovenel Moïse à gouvernement, la faut qu'il prenne des sanctions. Donc, li get arrangé cause, li get préparé là, li douce persécution politique, li a allé chercher asile Canada, avec non seulement chercher asile, li prend avec statut de personne et protégé. Kounya, Jean-Eugène Wesius, qui ça l'a fait au Canada? Est-ce que Jean-Eugène Wesius la vive bien? Est-ce que l'a bien passé? Est-ce que Jean-Eugène Wesius, Jean Negyote, t'as boulé l'argent en Haïti comme juge, gen pouvoir, ou tellement gen pouvoir qu'a mis tes mandats de yon président? Qui ça l'a réglé au Canada? Dans le moment où on a parlé là, d'ailleurs, toujours dit ça, il n'y a pas de sous-métier. Ok? Pas un métier pas bon pour moun fait. Des profs font un métier qui est honnête, qui descend, c'est la vie qu'on cherche, vance, pas de problème. Pas de problème. Mais, dans le cas de Jean-Eugène Wesius, pour un juge qui a eu le culot, qui a eu le courage, qui a eu le plein de mille, pas de peur, pas de crainte, pour te mettre mandat de un président en fonction. Parce que tu as acheté le pouvoir judiciaire, l'argent comptant, l'argent en main. Et pour prendre aujourd'hui, il prend quitter Haïti, il prend le Canada. Et qui travaille libre le jeudi là, Jean-Eugène Wesius, c'est un entretien ménager. Ma parle français là, entretien ménager. Ah bien, Jean-Eugène Wesius, mes amis, mes très chers amis, la travaille dans entreprise alimentaire, entreprise côté que on fait bagaille pour manger. Et l'homme parle de entretien ménager, hein, c'est monde qui a responsabilité et pour baler, pour faire mort, pour suyer, etc. Même dis-nous déjà pas de son métier. Mais la réalité est telle que je dis, hein, l'autre juge dans le pays où tu es un juge ou non pouvoir judiciaire, tant bien que mal, et on a touché, tant bien que mal, ou un statut, tant bien que mal, et la justice paye ou compte sur vous. Justice a mieux compté sur et puis jodi en puisque ou violer serment pour pas rentrer pour pas empiéter pour pas mettre justice avec politique ou violer serment fait côté que la justice doit être indépendant de la politique ou violer et puis jodi en ou retrouver quoi ou mettre quoi dans marron ou mettre quoi ou prendre la fuite ou en cavale moi même c'est comme ça me considérer pas considérer comme un monde qui en asile ou bien comme un monde qui a bien vivre au Canada.
Sinon, pour qu'ils soient obligés à aller chercher statut de personne protégée, ou sont monde qui marron pays ou fuit pays parce que ou conscient aujourd'hui ont participé dans tout un président, ont participé dans créer instabilité, dans créer plus vide institutionnel dans dedans pays. Qu'on y a ça que t'as dit en Haïti jamais, pas une fois. Ou pas ou t'as privé dans parquet là, ou t'as privé tribunal première instance, ou t'as privé là, t'as un bureau. Plein poussière, c'est sûr, que t'as voyé, puis t'as fait coller, ou t'as battu l'estomac, ou, quand c'est avant, quand c'est bon, quand c'est gérant, pour qu'il s'en quitte le bureau, pas jeter fatra, pas faire ceci, pas faire cela. Alors, ce que je dis, on quitte le pays, juge que ou quitte Haïti parce qu'on fait zac, ou quitte Haïti parce qu'on participe dans tout le président, ou met mandat de un président élu. CSPJ qui t'a sauvé, CSPJ qui t'a sauvé en bas panier. Moi, m'a demandé jodi an là, qui utilité CSPJ? On paquet de juges qui rentrent dans la politique et pour vous voulez faire me comprendre jodi an, le CSPJ, c'est, y'a une responsabilité administrative pour y'a gérer le pouvoir judiciaire, etc. Gérer le pouvoir judiciaire lorsque nous pas privé pour aucune sanction contre un juge délinquant qui mette mandat de un président élu, de un président en fonction. C'est pas que on pas qu'à mettre mandat de un président, non? Loin de là l'idée. Mais un président en fonction, il pas passible des tribunaux de droit commun. Ça, depuis l'on fait rentrer et l'école de droit. Ça, c'est premier bagage, y a pas prendre, non? Introduction au droit. Y'a fait différence entre tribunal de droit commun, yo, et haute cour de justice, etc. Ça, c'est bagage basique, yo, eh? Mais tellement nèg yo kite folie politique monter dans tête yo, folie pouvoir monter dans tête yo, yo outrepassé limite yo et puis so attendé à là, juge a gagné juge brat jodi an là, ou pral kembe mon propre kembe balé dans Canada. Alors que jodi an sou t'en Haïti, t'a battre l'estomac ou on moun k'a balé dans palais de justice jodi an là, ou pas t'a peur pour cracher sous tête moun zan, ou pas t'a peur pour pousser pour brader, pour traiter n'importe qui parce que ou t'a point nèg za, femme za pas du niveau. Et puis voilà, je dis, la vie bon revers. La vie bon taplan. La vie sanctionne. Parce que je dis, nous tellement pas qu'on limite. Nous tellement pas qu'on côté, côté responsabilité nous commencer, côté le fini. Côté engagement nous commencer, côté le fini. Et voilà. Très chers amis, ça c'est histoire la vie. Jean-Roger Noël Sius. Jean-Roger Noël Sius, ça, qui était maître dans la République, qui était juge dans la République, qui était pensé qu'il avait tout droit, toute liberté, parce qu'il était derrière en opposition politique. Et voilà, maintenant, il a outrepassé ses limites. Il est allé au-delà de ça. Et il est allé au-delà de sa code d'instruction criminelle dans prévoit. Il est allé au-delà de sa principe de base et code pénal. Tout bagaille, ça a le violé, tout bagaille, ça a honnête. Il viole tout bagage ça honnête. C'est vrai, je dis, on n'a pas de mettre que, dans toute société, c'est politique là qui dirige. La politique dirige la société. La politique mène la société. Parce qu'on pas qu'à dire, on sont citoyens, ou sont citoyens, puis on dit, on pas dans politique. Sous son citoyen, on dit, on pas dans politique, ou pas vivre. Ou pas vivre, parce que je dis, politique là, il marche deux paires avec évolution sociale là. Parce que les grandes décisions se prennent à la base par la politique. C'est nèg ça qui fait politique, c'est politicien yo. C'est politicien yo. C'est monsieur ça yo leur rentre dans le parlement, c'est yo même qui fait loi. C'est yo même qui prend les grandes décisions qui pral conduit et peuple qui pral conduit et qui avenir politique pays. C'est politicien yo, moi pas comprendre jodi an, des séries de moun yo dou, c'est chrétien pas dans politique, chrétien pas fait politique, mais chrétien pas vivre. Chrétien pas fait partie de la société, chrétien pas haïtien. On pas rentrer dans politique, politique c'est chien. Si nous quitter ces vagabonds ça val pas ça qui rete qui fait carré à dominer cette politique là, c'est normal comme résultat, on toujours non paquet nèg qui fait voxal, on paquet nèg qui fait corruption, on paquet nèg qui volé, on paquet nèg qui participer dans assassiner président, qui fait deal pour prendre pouvoir et faire assassiner président parce que nous-mêmes qui considèrent tête nous comme des hommes et des femmes valables en dedans pays, nous choisissons nous pas rentrer dans la politique parce que politique là, nous disons c'est monde sale qui fait, c'est chien, c'est vagabond, c'est son sale. Oui, ça nous gagne là, c'est exemple même. C'est exemple, exemple vivant. On pas qu'être vagabond, pas qu'être val pas, on pas qu'être pas utile. Mais aujourd'hui, nous arrivons dans un moment, mon cher, faut que nous redorer blason. Nous arrivons dans un moment là, faut que nous disions halte là, faut que nous changer donné, faut que nous changer donné. Moi-même, m'pas qu'à dire. M'pas qu'à dire, dans le moment ça,
on va l'accepter n'importe quoi, n'importe qui, vin dim que politique, OK, politique et c'est tel monde, c'est telle catégorie monde qui doit faire politique. Non. Politique là pas une catégorie monde qui fait. Politique là faut nous admettre politique là, la politique c'est une science. La politique c'est une science, politique là elle pas un hasard et vin parler politique là elle pas doué un hasard non plus. Si jodi on a fait une bataille, nous devons faire une bataille depuis à la base pour les gens qui prennent responsabilité de parler de politique, pour ce pas un bon matin pour les gens enlever, pour le juste do. La parler politique, la faire politique. Non, la politique est une science, ça s'apprend. Donc, si nous croyons pour un groupe nèg qui passe plus que 30 ans, ils ont accaparé au pouvoir l'État, ils ont accaparé au sein politique, là, c'est eux-mêmes qui ont coupé, qui ont craché, pendant que ils ont combattu la dictature, pendant que ils ont combattu les anarchistes. Les anarchistes, moun sa yo qui a crasé société, qui a fait des ordres, etc., etc. Et puis, je dis, yo vle fò vale un modèle de démocratie précaire, un modèle de démocratie qui pas abouti, qui pas atterri. Même États-Unis, par exemple, qui a vendu nos démocraties, je dis, là. Même États-Unis qui dou, yo se papa démocratie dans le monde, là. On garde réalité, ya. On garde hypocrisie qui gagne pas bon côté occidentaux ça yo. Pas bon côté États-Unis. On pral wè que vraie démocratie, li commence à la base par une prise de conscience. Principe démocratique que nous connaissons déjà, liberté, égalité, fraternité. Nous devons respecter la souveraineté pays. Nous devons batailler pour intégrité territoire. Nous connaissons tout principe ça yo. Jodi an la, au départ, est-ce que nous avons des hommes valables? Est-ce que nous avons des gens qui paraissent vraiment pour faire respecter les principes démocratiques? Est-ce que nous avons des gens valables qui paraissent pour défendre la souveraineté du pays? Qui ne peuvent pas vendre la conscience, qui ne peuvent pas vendre notre petit bout de territoire, etc. Qui ne peuvent pas faire vie deal pour qu'il y ait pouvoir? Donc, ce n'est pas seulement nous avons sacrifié Jovenel Moïse 7 juillet. Jodian là, nous supposons chaque événement qui entoure l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous supposons tirer des leçons là-dedans. Façon États-Unis utiliser Jovenel Moïse et puis après le quitter ou assassiner. Façon jodi Ariel a utilisé pouvoir dans profit un groupe nèg qui touye Jovenel Moïse. Est-ce que nous comprenons? Tout ça, c'est des démarches. Nous devons tirer des leçons là-dedans. Et non seulement tirer des leçons, mais utiliser pour qu'à l'avenir, nous ne pas reproduire même erreur ça. Parce que à un certain moment, faut nous disons, nous, est-ce que réellement nous avons une démocratie? Est-ce que tout le monde a une démocratie en utile pays? Parce que nous ne pouvons pas parler de démocratie pour nous dire nous avons liberté la parole. Jodi, en liberté la parole, on n'est pas supposé, et nous pas supposé utiliser comme symbole même de la démocratie. Démocratie, c'est pas seulement liberté le bon pour parler. En pile monde concevoir liberté de la parole là, dit ça n'est pas gens vous voulez, monde pas faire même bouche. C'est pas ça liberté de la parole là. Et c'est pas ça qui démocratie en plus. En pile fois, mieux vaut nous t'accepter quelque part nous joindre un président et qui soi-disant considéré comme un dictateur. Qu'a font pays marché que nous jouons un paquet soi-disant démocrate, un paquet soi-disant monde qui remet pays, qui ont fierté pour pays, qui prêt pour défendre pays, alors que qui pas régler rien. Est-ce que nous comprenons côté vle rivière? En pile fois n'a regardé, imaginez nous un bagage, n'a pour exemple simple, n'a pour exemple simple clair, on va le comprendre. Tant que là et qui ça cap fait actualité, la Russie avec l'Ukraine. Tout le monde considère Poutine et comme dictateur qu'il est. Gros dictateur. Mais l'on a regardé, la Russie va marcher. En termes d'armement, la Russie va marcher. En termes d'économie, la Russie va marcher. Mais liberté et de la presse, il y a une liberté qui censure. Mais en gros, pays a marché ou survive. Mais je dis là, nous disons Haïti, c'est un pays démocratique. Un pays qui libre, démocratie, liberté, la parole. Chaque jour, nous parlons. Nous tellement parlons, dirigeants parlent, autorité parlent, opposition parlent. Tout le monde a liberté pour parler. Qui ça cap régler? Qui ça cap régler? C'est exemple ça pour un paquet de pays, je dis là, qui a dirigé par des hommes forts. En pile fois, on autorité qui fort par un symbole de dictature tout non.
Ça, c'est l'autre sujet. Je vais faire mes parenthèses ça et pour me retourner dans où je suis. Je dis en là, démarche que Jovenel Moïse prend avec cabinet d'avocat pour le demander pour enquêter sous et Bernard Séville. Ça, c'est une très, très bonne décision. Ça, sont très bonnes démarches. Pour qui ça, sont très bonnes démarches? Parce que je dis en là, ou pas qu'à joindre. On doit avoir un tribunal qui est responsable tout dossier qui est dans le tribunal là, pour être lui-même qui ploie le dossier, mettre en baboual et puis soit le ploie le mettre en baboual ou bien le casser ou mettre dans le tiroir. Donc ce Jovenel Moïse là en Haïti, ou presque considérer son dossier qui est classé secret d'État. Ou presque considérer son dossier qui est classé, pas gagné cap dissous encore. Pour qu'ils a ou poser des questions, est-ce que pas de complaisance doyen là, est-ce que pas de complicité doyen là, alors qu'il est l'administrateur du tribunal même, s'il pas fait, qui est-ce qui va faire? Moi pral faire, moi pral rentrer par quel là, m'pral dire m'pral chercher dossier Jovenel Moïse pour m'aller en juge d'instruction, pas de responsabilité. Ça c'est pas job moi, c'est pas travail moi. Donc ça c'est la responsabilité du doyen, il ne le fait pas parce qu'il est complaisant. Sou pas faire pour qui ça? Valet magistrat instructeur qui là. Jodi an la, yo retire dossier, bon, et pas yo, bon. Li retire dossier, non, mais, et Gary Aurélien sous demande à colite li yo, parce que Gary Aurélien était dépassé 3 mois. Mais combien l'autre dossier qui nomme Gary Aurélien, qui gagne plus que 3 mois que Gary Aurélien t'a traité, yo pas de jamais retire dossier ça, nomme Gary Aurélien. Comme si n'a yo coquin. Yo gagne explication pour yo bail peuple, yo gagne explication pour yo bail la République. L'extrêmement important aujourd'hui là pour droit tribunal première instance pour venir expliquer pour qui ça non seulement dossier Jovenel Moïse pas qu'un nouveau juge d'instruction sur lui mais pour qui ça c'est jouer coquin ça tout pour faire si vous voulez voir Gary Aurélien aller alors que Gary Aurélien était près de 12 dossiers dans mail qui dépassait 3 mois qui dépassait délai d'instruction il pas jamais retiré dans mail. Bon là nous allons recevoir et inviter nous bien avant en nous pratiquant mon regard. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait Bekate, Zesof Moringa pour tes solutions pour nous. Gains outils si on peut mal qui permettre d'allonger pénis ou balle longue ou vle pour mon ouvle. Gains bande si on comprimé qui permettre de gagner bon gens en dirant sexuel. Wow! Pour plus d'informations, relez dans 514-886-9776. Ou bien, visitez site là, www.zesofmoringa.com. Depuis les m'a utilisé pour mat gen souti à comprimé gen bon, mesdames yo c'est mariage seulement y a mandé. J'aime toujours aimer dire nous, émission mon éditorial là sur l'école liée. Donc moi là pour m'aller chercher bon genre information pour m'aller chercher moun qui ka expliquer nous des experts, des consultants dans des domaines bien spécifiques, bien précis pour aider nous comprendre des événements qui a fait actualité. Et bien aujourd'hui là comme depuis quelques jours là bon, ça a près de 8 ans mais il pas vraiment exposé au grand public, il pas vraiment fait actualité. Nous gagnons une guerre qui opposait la Russie avec Ukraine. OK, moi je me dis non déjà pas expert. C'est ça que fait mal chercher un consultant, mal chercher un expert. Depuis Canada, on vient avec là pour nous qui pral aider nous comprendre, qui pral expliquer nous origine, qui pral expliquer nous cause avec enjeu guerre ça qui opposait la Russie de Vladimir Poutine avec Ukraine de Volodymyr Zelensky. Déjà, m'a dit nous restez attentif, restez connecté là, nous pral joindre bonne information. Bonsoir Charles-Marie Jean-Louis. Bienvenue dans l'émission Mon Éditorial. Bonsoir Yannick, je salue tout internaute qui cap tant d'émission ça et tout ça cap gain pour tant d'elle et puis bon on pense n'a pas dit là pour nous dire en pile bagaille sur situation ça cap développer cap bail problème dans mon monde là. Et moi toujours dans les gars mon qu'on dit depuis bien longtemps la fumée pas lever ça dit. Donc, je dis là, il y a une guerre, un conflit ouvert entre Russie et Ukraine. Ça, c'est deux territoires, deux pays voisins qui partageaient la même frontière. Donc, expliquez à Mounio, M. Jean-Louis, origine guerre, ça, origine conflit, ça, qui opposait deux pays. Ça. Bon. Sou
vous permettre, moi, je prends un petit temps, et parce que question ça, je prends seulement un petit temps pour nous aller à la base, pour nous aller dans le fin fond des choses et du côté bagage, ça sorti pour le vivre là, qu'on y a là qui fait chaque grand monde qui vit sous planète ça là, qu'on y a là, et y a vivre avec cœur cassé. On nous dit question ça qui gagne là, qu'on y a qui d'actualité, hein, li commencé dans fin deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale là, nous pas besoin d'entrer dans le détail, nous connaissons qui j'en ça défini. Mais sauf que dans fin deuxième guerre mondiale là, en fait, nous connaissons c'est l'Allemagne qui était en guerre contre le monde. Mais elle était guerre alliée par l'Italie, le Japon, etc. Mais dans fin guerre là, côté l'Allemagne, presque perdu guerre là. Et nous connaissons l'Allemagne tap goumen sous deux fronts. Et un front à l'ouest et contre les pays de l'ouest et les États-Unis, et à l'est contre l'Union soviétique, la Russie. Bon, et ça vient passer, c'est que l'Allemagne fin capitulé et les États-Unis lui-même l'étape goumé avec Japon. Mais les États-Unis pas qu'arriver joindre bout de Japon vraiment, malgré les États-Unis étaient sur le point de gagner la guerre contre le Japon. Maintenant, comme ils ont fini avec l'Allemagne nazie, les États-Unis viennent demander la Russie, l'Union soviétique, l'armée rouge, et faut rentrer au Japon, venir de joindre bout de Japon. Et puis Joseph Staline et le dirigeant de l'Union soviétique d'alors, il a accepté. Il est rentré au Japon et non, on dit qu'on crée les Mandchouris, on bagarre comme ça. Et puis ça vient passer, les États-Unis viennent saisir et dès que l'ouest, l'armée rouge rentrée au Japon avec une rapidité, avec une facilité. Et ça vient faire et l'armée américaine paniquer. Maintenant, les États-Unis sacré les armes nucléaires, la bombe atomique. La bombe atomique, là, c'est l'Allemagne, parce que technologiquement, c'est l'Allemagne qui était plus avancée. Yo même, yo te getap travail et yo te getap fait en pile recherche scientifique sous question bombe atomique là. Là, mais à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Gros conseiller militaire nazi, yo t'a pensé convaincre Adolf Hitler pour yo mettre cap là, mettre priorité à sous bombe atomique là, parce que ces armes ça cap fait nous gagner guerre là. Mais début guerre là, c'était tellement facile pour l'Allemagne, et Hitler couvre le coupable, son soldat, ben, qui était extrêmement intelligent, mais son soldat. Et monsieur, lui dit non, nous pas besoin de tout le temps ça, question armes nucléaires, bagaille, juste en investir comme nous dans Chablin, des bagailles, parce que guerre trop facile pour nous. Eh bien, ça vient de passer, l'Allemagne vient de perdre la guerre là, c'est pile scientifique, militaire. Ça nazi ça yo que l'Union soviétique prend quelques, puis les États-Unis prend quelques, et puis c'est nèg ça yo kounya et qui vient à travailler pour l'Union soviétique, qui vient à travailler pour la Russie, et puis qui vient bailler les États-Unis bombe atomique là. Les États-Unis qui bombe atomique là, mais contrairement à ça en pile moun, à ça en pile analyste en géopolitique, en géostratégie, a dit les États-Unis utilisent et bombe nucléaire là contre le Japon, c'est pour le TK obtenir ça ne déca les capitulations. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Guerre là qui est gagné. C'est les États-Unis utilisent bombe là parce que lui est l'armée rouge là tellement puissante. Par rapport à Jean rentre Japon, il utilise les bombes là pour tout dire que okay, mais qui est-ce qui pourra le mettre monde là, parce que c'est nous-mêmes qui avons des armes nucléaires là, pour
l'Union soviétique pas pensé que l'Ibral dit c'est la deuxième guerre mondiale là, c'est lui-même qui pral dit qui gens pour monde là, qui pral dicter qui gens pour monde là marché. C'est ça qui pral vin bay question guerre froide là. Donc la guerre froide lui prend naissance exactement après la fin de la deuxième guerre mondiale. Mais écoute. Comment? Ok. Je dis là, nous avons autant qu'à faire actualité, qu'à parler de lui. Et nous avons la Russie en bord qui n'a pas voulu à ce que l'Ukraine ta rentré dans l'OTAN, l'Ukraine même ta rentré dans l'OTAN, etc. etc. Donc, autant. Expliquez-moi à partir de qui date, qui circonstances qui permettent autant d'exister. Et pour qui ça, je dis là, l'Ukraine a un intérêt ou bien l'Ukraine a voulu rentrer dans l'OTAN. Bon, en fait, je pense que la question ça, comme si je disais, son deuxième volet de première question. De toute façon, première question, pas de répondre vraiment. Je vais juste faire un râle sur l'origine. Alors, ça vient de passer. L'OTAN, il prend naissance année à date là exactement, bagay la tête, moi, mais tout bagay ça a vini après la deuxième guerre mondiale. Après que les États-Unis fin prouvé le monde que les armes nucléaires, et maintenant la Russie et l'Union soviétique fin goumé, jusqu'à ce que les gens le tout, qu'on y a fin gen deux taureaux gondés dans le monde là. Parce que les armes nucléaires là sont des armes de dissuasion liées. Alex, de pour gagner, quel que soit le monde, il peut gommer avant parce que sont des armes de destruction massive. Maintenant, les États-Unis à l'ouest, comme chef qui gagne tout pays de l'Europe de l'ouest, et puis l'Union soviétique lui-même à l'est avec tout pays dans bloc est et tout pays de l'Europe de l'est. Et maintenant, vingé ça que les guerres froides là. Mon qu'on est diplomatie, bataille diplomatique, pas gain diplomatie sans armes. Hein? La diplomatie sans les armes, c'est comme de la musique sans instrument. Ben oui. Et les États-Unis viennent rendre compte que si l'Union soviétique gagne des armes nucléaires là tout, il n'est pas assez puissant pour le temps avec l'Union soviétique. Ils viennent décider de faire une coalition militaire qui pourrait venir bras armés et bloc de l'Ouest là. Et l'OTAN qui est l'organisation des traités de l'Atlantique Nord. Qu'on y a face à puissance ça, l'Union soviétique lui-même vient dire qu'il faut le bras armé tout. Et puis, Livin et constitué ça le pacte de Varsovie. En fait, la Pologne, et Lituanie, l'Estonie, et la Bulgarie, la Roumanie, tout pays dans le bloc de l'Est net, et Livin décide de faire une force militaire et pour faire contrebalance là avec l'OTAN. Maintenant, ce qui nous passe, c'est que nous connaissons les États-Unis lui-même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis n'ont pas commencé la guerre-là lui-même. Les États-Unis viennent rentrer dans la guerre-là presque au milieu de la guerre ou même en fin de guerre. Mais entre-temps, les États-Unis, ce complexe militaro-industriel qui était en marche, et la fait zam, et bonne zam, tout pays qui est en guerre. Yo. Les États-Unis viennent enrichir tête li dans la question ça, viennent gagner pile l'argent. Donc sur le plan économique, le bloc de l'Est et avec l'Union soviétique viennent pas qu'à faire le poids avec et le bloc de l'Ouest dirigé par les États-Unis. Ça vient passer qu'on y a les États-Unis surtout avec le plan Marshall, la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les États-Unis qui initient bagage ça parce que le COP pour ça, ils viennent séduire pays qui en dans l'Union soviétique yo. Mais faut que moi du tout gagne et bagage l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest là, tout le mur de Berlin tout ça, le rideau et de fer, c'est comme si m'a dit l'Union soviétique à l'Est et puis les États-Unis à l'Ouest. Et avec séduction ça m'dou là que l'Ouest prend
pays de l'Est vient créer bouleversement qui vient conduire à l'effondrement du mur de Berlin qui vient détruire l'Union soviétique. L'Union soviétique vient effondrer en 1991. Mais bon paquet de causes, bon paquet de causes qui fait l'Union soviétique perdre guerre froide là. Mais analyse pas dit yo plus préféré dit bagay pour que gens et moun après m'entendre. Vous comprenez, mais sauf que je ne pense pas que nous avons temps pour nous rentrer dans le détail. Si vous voulez, dans l'autre émission, invitez-moi et vous avez des bagages qui n'ont pas de détails. Maintenant, l'Union soviétique vient craser en 1991 et avec Gorbatchev, c'est le dernier président de l'Union soviétique. Là, ça, c'était Boris Yeltsin, lui-même qui était président de la Russie. Et maintenant, ça qui vient passer, c'est que la l'Union soviétique vient craser, pas de pacte de Varsovie encore. Si pas de pacte de Varsovie encore, la Russie mande fok l'OTAN. Il n'y a pas de raison d'être encore, parce que raison d'être lui, c'était pour l'Union soviétique. L'Union soviétique n'est plus, donc l'OTAN n'a pas de raison d'être lui encore. Bon, Negio garantit la Russie au deal et bon, n'a toujours exister pour nous qu'il y ait la paix dans le monde, pour qu'il y ait une stabilité dans le monde. Mais nous promettons la Russie que pays qui te fait partie de l'Union soviétique, yo, nous ne pouvons jamais quitter rentrer dans l'OTAN. Parce que tout pays, ça, yo tout frontalier avec la Russie. C'est vrai. Presque tout. C'est promesse, ça, te fait la Russie. Maintenant, la Russie est d'accord. Ça qui vient de passer, c'est que après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie vient pour un paquet de problèmes, problèmes économiques, problèmes militaires, toutes gros armes qui ont été gagnées, les oligarques qui ont vendu les armes, un paquet de l'autre pays. La Russie vient affaiblie. Et puis vient jouer Boris Yeltsin, qui était président de la Russie, son vieux on est dans l'émission sérieuse, même pas qu'à dire n'importe quoi. Mais son équipe est éclairée en pile. Vous comprenez? Et puis, et puis, quand il y a ça qui vient de passer, c'est que promesse ça n'est pas fait la Russie. Hein? N'est-ce pas mise sous faiblesse la Russie parce que la Russie n'a pas de force militaire qui correspond avec le bloc de l'Ouest encore l'OTAN. N'est-ce pas tout pays on met n'est pas fait rentrer dans l'OTAN. Et les nègres font rentrer dans l'OTAN et les États-Unis, ils mettent tout gros missiles, tout gros armes liées en Pologne, en Roumanie, en Lituanie. Tout pays, ils pointent des missiles sur la Russie. Donc, mais la Russie n'est pas capable. L'idée en quelque sorte, malgré que autant pas ta guérison d'être lié encore, mais quand même, bloqué occidentaux, ils ont montré que personnellement, yo vle détruire la Russie. Parce que si nous avons fait stratégie ça, alors que nous avons supposé des garanties et puis c'est poussé, nous avons poussé pour plus devant. Donc, nous avons un problème personnel avec le pays. Hein? Exactement. Parce que ça, il faut aller plus loin et toujours pour élaborer sur l'aspect ça. Ça pas même remonter à la Deuxième Guerre mondiale, ça allait plus loin toujours. Parce que même à l'époque, côté l'Europe c'est empire net, toute l'Europe c'était empire. La Russie, son espace qui est tellement vaste, son espace, son pays qui en tout cas qui est facile à envahir, mais difficile à occuper. Tu comprends ce que je veux dire? En termes de superficie. L'Empire ottoman t'a essayé, Napoléon t'a essayé, Adolf Hitler t'a essayé. Li tellement frontière tellement vaste, comme s'il pas gagné assez de capacité pour contrôler frontière, Jean pour le contrôler à part de la de Vladimir Poutine qui a fait là. Avait dit à l'époque, l'Empire était facile quand envahir la Russie, mais il est tellement vaste, de pour finir envahir, c'est comme si ou embourbé non bagay, ou a perdu guerre, de pour rentrer, ou a perdu. Donc, ça vient faire que les anciens empires, ils viennent gon orgueil, ils viennent gon haine, et puis ils viennent mettre sous
États-Unis est comme si yo ont orgueil contre la Russie, yo pas aimé la Russie. Maintenant, ça vient passer, c'est que le Poutine arrive dans le pouvoir et lui-même, il va être objectif. Contrairement à ça, en pile monde pensait, Poutine n'est pas venu en face de l'Occident. Le Poutine prend tête la Russie, ça lui-même, c'est faire alliance avec l'Occident. Poutine demande les États-Unis pour la Russie faire partie de l'OTAN. Les États-Unis pas d'accord. À un certain parce que yo... écoute, à un certain moment, je crois que la Russie fait partie de pays associés, de statut associé pays associé dans l'OTAN jusqu'en 2014. Associé, ça veut dire quoi? Même genre avec Ukraine là, Ukraine gè statut pays associé, gè statut pays membre, gè statut pays associé, c'est ça moi dans chat là. Ouais, en fait c'est exactement ça, c'est comme yo te gen relation avec la Russie. Mais c'est roulé ou t'as roulé la Russie dans farine, parce que la Russie lui-même ça le vle c'est que c'est fait partie des grandes puissances et en tout cas grand cercle là, la Russie te vle rentrer là. Mais moun yo même l'Occident yo considère la Russie l'héritage de l'ancien empire russe ou encore de l'Union soviétique et ils considèrent comme la force du mal et puis eux même dit que c'est la force du bien. Et donc c'est comme si on vient avec nous, vient faire alliance avec nous, à contaminer nous. Yo roule la Russie dans la farine, yo roule Poutine dans la farine et jusqu'à ce que ça pas marché, yo dit non et il pas faire partie de l'OTAN. Alors que Poutine rend compte ces missiles sous toute frontière net qui pointaient sur lui. Eh bien ça le dit tête lui, il vient réorienter politique, il vient ba tête lui notre objectif, il vient décider et refaire et l'armée russe là et moderniser, investir en pile comme et injecter en pile capitaux comme si Ndadou pour vraiment remoderniser l'armée russe. Mais Poutine prend le temps qu'il faut pour le faire ça. Parce que ça ne vient pas, c'est ça qu'a fait la Kounia. Si Vladimir Poutine, contrairement à ça, mon abdi, si son équité impulsif qui agit avec émotion comme ça, ça qu'a fait là, t'a bien fait longtemps, et j'en l'ai fait là, pas t'a fait comme ça, parce que l'armée russe là, pas t'a compris, le ça, l'OTAN t'a pas fait d'appui en sous lit. Maintenant, dans l'intervalle, pile pays ça yo, m'dou qui n'en bloc de l'Est yo, yo qui t'en rentré dans l'OTAN, l'Ukraine lui-même, pas qui t'en rentré, si l'Ukraine t'en rentré, elle t'es tout bon, oui, parce que la Russie, Poutine pas j'aime prêcher ça l'attaquer un pays membre de l'OTAN, non? Oui, mais parce que Poutine connaît lui-même, et pas seulement Poutine, tout dirigeant puissance mondiale, yo connaît. Même bon Dieu avec Satan, yo entendu sous question ça. La Russie, pas de droit goumé avec les États-Unis. Depuis que goumé, lui, c'est la fin de la civilisation. L'humanité pas existe encore le jour où la Russie, avec les États-Unis, opposé dans une guerre. Yo ka opposé dans San Dakar et les guerres de proxy, guerre et pas alliés interposés. Mais comme si m'a dit une confrontation directe, l'autre jour, récemment, là, avant l'intervention de la Russie en Ukraine, Joe Biden dit, un journaliste qui a interviewé Joe Biden, lui dit, bon, si toutefois Poutine a attaqué l'Ukraine, est-ce que l'OTAN ou les États-Unis est prêt pour entrer en guerre contre la Russie pour aller défendre l'Ukraine? Joe Biden dit, jamais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Soldats américains avec soldats russes, on a tiré sur l'autre.
Je ne sais pas si journaliste là, même rêver pas essayer de faire un bagage comme ça, non? Et, monsieur Jean-Louis. Tu comprends? Oui, tout à fait. Monsieur Jean-Louis, est-ce que je dis, là, comment comprendre une guerre ça qui gagne Russie avec Ukrainien? Est-ce que d'après vous-même, attaque et la Russie fait sur Ukraine, est-ce que légitime? Bon, moi-même, bon jour, ça me pense, sincèrement. Je ne peux pas utiliser le terme légitimité. Mais pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que question géopolitique, géostratégie, son bagage moins gardé avec microscope optique. Même les plus petits éléments dans la question, ça, je vais comprendre. Pour qui ça me dit légitime? Eh bien, non, pas légitime. Pour qui ça me dit, pour moi, c'est une bonne chose? La Russie, j'en dis tout à l'heure, la Russie avec l'OTAN, pas de droit goumé. Ni l'OTAN, ni la Russie, yo connaît ça, yo connaît pas de droit goumé. Depuis yo goumé, bon, parle aussi yo goumé, ça a privé. Si la Russie entre en guerre contre l'OTAN, ça veut dire contre les États-Unis, impossible pour les armes nucléaires pas utiliser. Alors que les armes nucléaires, l'arme nucléaire, là, c'est une arme de dissuasion qui n'est pas destinée à être utilisée. Alors que si deux mouns a regoumé, pas de rien pour faire pas utiliser. Ou quand ça fait, les armes nucléaires pas utiliser, la Russie considère tête li, malgré que qu'on est puissant, li en forme, li bon militairement, mais li considère tête li comme étant minoritaire par rapport à l'OTAN, on dit 27 pays de l'Europe, plus et les États-Unis, le Canada, plus les autres alliés comme le Japon, etc., etc. La Russie, kagoumé avec yo, mais du fait que les minoritaires, les candidats, ils ne sont pas à la guerre là. La Russie, surtout avec Ounetan Vladimir Poutine, ne veut pas décider de perdre un rien encore pour toute cette existence. Ça veut dire, la Russie, c'est le premier monde qui utilise les armes nucléaires. L'elle utilise les armes nucléaires, elle a utilisé la logique pour dissuader adversaire là pour vraiment de négocier pour yo camper guerre là. Maintenant, armes nucléaires, la Russie pourra l'utiliser. Ces armes, en une fraction de seconde, et disparaître toute une ville. Par exemple, la ville de Paris. Ça veut dire, on comprend que adversaire là, un paquet de villes. Li comme si Ndadou efface dans quatre mondial là et puis Kounia li pral d'accord OK pour négocier puis pour camper guerre là non li pral riposter Kounia pral lagué tout ça le gain tout parce que le gain nucléaire tout maintenant mon petit j'en fais du là c'est on va prendre question moi Yannick s'il te plaît Momando est-ce que je dis là, il y a une certaine légitimité dans l'attaque russe à faire et sous Ukrainien? Oui, bon. Alors, nous dit c'est pas légitimité parce que ça crée l'intégrité territoriale là, son bagage, et selon la Convention de Genève, son bagage, tout pays est supposé respecter. Ben, ça, c'est parole en pile, bagage écrit. Mais la force des hommes, c'est des fois, c'est ça qui prime. Oui. Quand ça vient de passer, c'est que pour moi, sont bonnes choses. Le fait que la Russie attaque l'Ukraine. Parce que si la Russie, ça l'a fait là, sous elle pas fait là, dans un futur proche, ouais, m'a dit lointain, dans un futur proche, n'a pas connu ça que la guerre totale. Ça veut dire ça, tout le monde veut lutter, ça, tout le monde va souhaiter. C'est ça qui a privé dans un futur proche si ça est fait là, pas fait. Parce que ça vient de passer,
dans l'OTAN, l'OTAN y a sous ça déjà, c'est pas... Poutine, c'est parce que les gros services secrets sérieux qui travaillent. C'est pas un battable qui t'a fait bagay ou pas chambay nan journal nan bagay. C'est un cachette, oui. Les gens t'a rangé quoi là pour fourrer l'Ukraine dans l'OTAN et puis un bon matin t'a pleuvé autant de l'Ukraine fait partie de l'OTAN et puis il est touchable. Non, Poutine, détend comme ça. Si l'Ukraine rentre dans l'OTAN et la Crimée, que la Russie yo dit la Russie annexée, que moi me dit la Russie pas annexée. La Crimée s'est rattachée à nouveau à la Russie parce que la Crimée il était toujours fait partie de la Russie. C'est j'aime dire là et très souvent nèg en pile nèg dans dirigeant Union soviétique que son bonne tafiateur nèg yo était toujours yé nèg yo prend décision là au sous c'est nèg qui était Nikita Khrouchtchev là qui décidait pendant le sous et puis la font meeting avec dirigeant ukrainien qui était une province de l'Union soviétique d'alors et puis qui dit OK me faut cadeau la Crimée et ou tellement son bonne province me faut cadeau la Crimée tu vois. Maintenant, l'Ukraine lui-même, en 2014, mais écoute, la Russie... Écoute, mais... Bon, une minute, s'il te plaît. Termine. Ouais, le négio en 2014, ont fait deux autres yon fait, et pour yon chasser le président pro-Russe, Poutine dit lui-même, il n'a pas perdu tout, il n'a pas perdu ni sac ni crabe. Et puis, comme la Crimée, parce que la Crimée est une zone stratégique, militairement parlant, pour la Russie, parce que c'est seul espace qui bat la Russie accès à la mer chaude, la mer noire. Et si jamais t'as une guerre mondiale, si c'est pas la Crimée, la Russie n'a pas aucun côté comme Zimdadou qui a déployé navire Liu. Donc fait que il prend la Crimée. Bon, il dit l'annexe, bon, son paquet de détails, mais il prend la Crimée. Si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, l'Ukraine pral vle pour récupérer la Crimée par la force des armes. La Russie, Poutine, s'agissant de la Crimée, il est prêt à tout. Ça veut dire Poutine pral déclarer l'Ukraine la guerre. Donc déclarer l'Ukraine la guerre, c'est déclarer un membre, c'est déclarer la guerre à un membre de l'OTAN. Maintenant, l'OTAN pourrait aller à l'article 5, l'OTAN en guerre. Les États-Unis face à la Russie, la fin de la civilisation. Même en tant que bon calculateur, il peut bagarrer ça, il peut pour faire le monde là sur terre. Et c'est pas sous dol, c'est pas lui-même qui provoque ça. Donc lui-même lui décider, mais une petite guerre, une petite guerre préventive pour éviter la guerre totale. Une petite guerre préventive. La guerre non, on va expliquer moi. On va expliquer moi. On va d'abord avoir monsieur Jean-Louis parce que il y a jamais de petite guerre quand même. On va regarder dommage, c'est pas petite. Une guerre, le bagage l'argent lié. Je te l'accorde, mais si de vous voulez m'a expliquer. Vas-y, on va faire un dernier explique bon, au public là. Moi je qualifie cette guerre de petite guerre préventive pour qui ça? Parce que guerre qu'on y a bagaille, c'est bagaille on va regarder live, c'est pas bagaille tant que c'est sous fait journal on va regarder quelqu'un, c'est bagaille on va regarder live. Toute technologie militaire la Russie gagne pour type d'armement la Russie possède, moi ça m'a regardé en Ukraine dans son bagage jouet. Ça a fait en Ukraine. Non, t'as l'heure. Imaginons, on est à la troisième journée de la guerre. Et Ukraine parlait de 200 morts. Ça veut dire, si la Russie t'a fait guerre contre l'Ukraine, bonjour, la Russie. Ou pas comment on est tellement aimé mon fils, et puis fille a soit fait petit pied léger, et puis nèg là, très souvent, il kon font petit calel. Qui est-ce que vous avez besoin de calel? Il kon font petit calel. Et puis fille a lui-même, comparé ni kon petit calel, à ce tellement nèg là, mais pour le ranger col. Il continue à faire jusqu'à ce que lui vienne mettre la colère net et puis la tuer.
C'est ça qui passe l'Ukraine avec la Russie. La Russie tellement aimé l'Ukraine. Parce que c'est pour lier l'Ukraine. Fait partie de la Russie. Ça, Poutine a fait là, son correction, c'est une guerre, c'est 6 militaires seulement, c'est sûr qu'il y a un petit dommage collatéraux, parce que l'on bombe tombe à un côté, si il y a une maison résidentielle à côté, ça arrive avec une poussière bombe blanc qui frappe maison et puis un petit dommage. M'a regardé hier à Kiev, en quartier résidentiel, missile tombé là. Non, building résidentiel. Vous voulez m'expliquer au bagage ça y est? Expliquez non. Bagage ça c'est pas un missile ou qui tombe dans building résidentiel ça? C'est un chasseur, c'est un chasseur, un avion de chasse russe. Qui a lancé un missile sur site militaire et puis nèg ukrainien yo nèg yo abat avion. Okay. Nèg abat avion et puis missile là perdu sens de direction et puis par hasard li ça veut dire soyons sérieux ou missile tombe sous pas t'apprêter building ça pas t'apprêter encore donc on c'est pas accident missile a perdu direction donc c'est pas comme si militaire russe décidé comme si m'gadou bombarder maison résidentielle là ben non. Monsieur Jean-Louis, donc là, je m'en garde là, même la presse occidentale, il a participé dans vendre une mauvaise image de la Russie. Non, mais c'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça le but. La Russie, c'est la force du mal, c'est la puissance du mal. Et moi, rappelez-moi Obama en 2014. La fait des ordres pour l'al et ben le sorti pour l'al prend Bachar al-Assad et Jean fin fait des ordres dans tout et l'autre côté fin tout assassiné pour écraser tout pays en Libye tout bagaille. Le sorti pour l'al en Syrie et Vladimir Poutine dit c'est pas kounia. Bon, monsieur qualifié la Russie de puissance régionale, de petite armée, une armée de merde que les États-Unis qui font boucher avec elle. Et puis, quelques temps après, et par rapport à ça, l'armée russe l'a réglé en Syrie, même Obama ça dit comme ça, que Vladimir Poutine, ça, nèg la, tout petit devant, tout petit, moi-même, son géant, je peux pas regarder nèg la, et puis nèg la, parler avec moi, m'a tremblé. Obama, il dit ça. Nèg la pale avec m'a tremblé. Obama dit ça. En termes de puissance militaire, il y a un petit, il y a un gros. De pour une tête nucléaire, là, c'est fini. Tout le monde le respecte. Exactement. C'est pour ça nous parler de dissuasion. Donc, fait que l'Ukraine, en tant que. La Russie pas vle, mais. Poutine, pas. Non logique, mais nous avons une guerre comme si nous avons une guerre pour détruire l'Ukraine. Parce que les besoins de l'Ukraine. Il a besoin de l'Ukraine. Poutine veut désarmer l'Ukraine. Ça veut dire que Occidentaux a armé l'Ukraine et à ses frontières, la Russie lui-même, Poutine pas d'accord. Poutine dit qu'il a désarmé l'Ukraine, la comme si il a détruit toute capacité militaire et puis en même temps décapiter le gouvernement, ça qu'elle considère comme. Mon gouvernement comme une sorte de colonie, une sorte de colonie des États-Unis. Bon. Et pour ça, ouais, Poutine demandait pour l'armée un coup d'État, pour l'armée prendre pouvoir et puis négocier avec elle. Ah, voilà. Poutine pas souffert la guerre avec l'Ukraine, vraiment. C'est l'âme d'avenir avec qui cause coup d'État. Mais au fait tout. Si nous bien comprendre là, tout désir et la Russie, tout désir, toute volonté Poutine là, c'est rivier ou elle contrôler et l'Ukraine. Mais en jouant en pile, je regarde quelques photos qui arrivent jeune, je regarde Zelensky président de l'Ukraine qui vertu là et il mettait là militaire, il préparait malgré que États-Unis m'ont depuis ta rapatrié, etc. Il même il voulait camper goumé lié face avec la Russie. Et comment, c'est la dernière question pour nous finir. Comme en termes, le n'a pas gagné combat là souterrain et comment qui prévision gagne pour faire? Comment ouais et finissement guerre là? Bon, d'autres jeux qui t'aiment tout et
Volodymyr Zelensky, monsieur son comédien li. Bon, de vous dans pays qui gagne en pile désordre, en pile corruption, en pile tout quoi Haïti, n'importe monde qui est président. Et mais c'est ça que fait Zelensky le président. Son très bon comédien qui acte très bien, qui toujours dans comédie lui a joué rôle un président kabay un dictateur tant kou Poutine problème kabal en pile m'pa connais sou kon gade bagay misé bon misé le président ça veut dire dans tête misé peut-être c'est comédie le toujours a fait là misé pas gain aucune idée de ça qu'a passé là penser c'était à cap fait là c'est ça que fait misé gain attitude ça et moi même j'aime Zoulan, si la Russie te vraiment voulait faire guerre avec l'Ukraine, ou pas tapoué, ou c'est de civils ukrainiens qui a couché devant Chablin de Russes pour manifester, pour exprimer opposition à la guerre. Ou pas tapoué, bagay ça. Les guerres, quand on connaît un paquet, on défile Chablin de hélicoptères en l'air, puis tout le monde a évacué l'activité, et puis le trafic dans la rue. Non! Mais pardon, c'est pas une guerre, c'est. C'est juste des attaques contre des sites militaires. Moi, comment ça me considère ça? Maintenant, Zelensky, ça a passé, mais ça a passé ici. Poutine n'a pas d'objectif occuper l'Ukraine. Il n'a pas de taille pour ça. D'ailleurs, c'est sous ça l'Occident misé pour enliser la Russie dans la guerre, ça pour faire durer le plus possible. Macron dit ça tout à l'heure, il dit son guerre. Qui parti pour le tuer, nous-mêmes, on prépare pour ça. Avec Dieu, même, c'est ça, on souhaite pour guerre là, durer le plus que possible, et puis, pour la Russie, vin affaiblir comme si Mnadjou, pour venir ça que les guerriers urbaines contre soldats et Russes, je s'attends en Afghanistan avant 1979. Et tout le monde ça qui vient passer, il y a mettre Poutine en colère parce que j'aime dire la Poutine pour que sous guerre vraiment la tire lourde là pour que j'aime déployer non mettre Poutine en colère kounya et ça fait des petits exemples ça oui mais il y a tout important si l'aime dire nèg là a fait petit tape fia et puis fia qui vient mettre dans situation il fait le tuer et bien si on fait Poutine fâché tout le monde il a décidé d'écraser l'Ukraine. Bon, quant à destin et quant à sort et Volodymyr Zelensky, monsieur n'est pas tué. N'est pas tué, même pensé, comme Poutine qualifié régime monsieur d'un régime nazi, qui a fait sacré le génocide contre la population russophone en Ukraine. Il a arrêté monsieur puis yo extradé la Russie, il a le jugé. Et puis ça prend un pion de négociation entre Poutine et l'Occident. L'Occident prend le mandat pour libérer l'ancien président et puis Poutine lui-même prend le faire chantage avec eux. OK, bah un problème et monsieur a libéré mais élevé sanction. Moi je pense que comme ça prend aller. Bien, bon, monsieur Jean-Louis, nous se font grand lit là, mais espérer que, à bien l'autre occasion, côté que vous avez expliqué, et de manière beaucoup plus étendue avec public, avec auditoire là, monde qui vraiment intéressé, pour yon connaît déroulement, pour yon suivre de très près déroulement, guerre, ça, qui oppose la Russie avec l'Ukraine, et c'est extrêmement important, nous même pas bon côté, nous là, en Haïti, nous, et pas si par là, tout le monde a parlé de crise, mais c'est ça que fait moi-même, personnellement, ma chèche expert, ma chèche moun ki kon domen nan, moun ki kon sujet, ki maîtrise sujet, pou vin explique nou ki sa ka passe réellement. Donc, yon toujours dit, nou toujours wè comment on guerre commence, mais nou pa kon comment guerre la fini. C'est ça que fait. Consultant li la, disponible, pas vraiment, monsieur Jean-Louis. Monsieur qui est disponible ou disposé pour public la. Donc, nap suiv déroulement, nap suiv avancé. Mabdou, très grand merci de ce côté accepté de répondre avec invitation. M'espérer jouer nou l'autre fois dans l'émission. Mon éditorial. Bon, c'est moi-même qui pour remercier Yannick qui a fait me faveur ça pour me
échanger, pour m'interagir avec vous. Mais avant d'aller quitter, moi, ajouter un mot. Guerre, tout ça qui provoque la guerre mondiale, c'est un petit étincelle, un petit calmagay qui déclenche. Et je dis, la France a arrêté un navire marchand russe qui sortit dans une ville française, ouais, qui prend en Russie un navire qui porte voiture. Okay. Et ils ont arrêté le navire là. Et non, logique, et pour appliquer sanctions, bagailles, etc., etc. Pour te demander explication sur base, ça. Ça veut dire, c'est petit les autres, ça, c'est petit bagaille, ça, qui compte mener à, ça, tout le monde redouter, ça, tout le monde va t'a souhaiter. Les éléments déclenchés. Et, disponible, disposé, Annick, n'importe l'envelé, moi là, et pas de problème, n'a toujours échangé. Merci en pile, à la prochaine. À la prochaine, bye. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2h, oui, chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le débat.